Salutations à tous et à toutes. Première partie en français, donc ici Hermès. Oui, un show à propos de Satan. Alors, faut se protéger, alors, m'en aller chercher. Comment t'appelles ça? La sauge. Alors, je bénis ce show. Je le purifie. J'enveloppe ce show d'amour et de lumière. Et vous aussi, on chasse tout le méchant. Le mal, le malin. Chassons le malin. Voilà. Oui. Ah, j'ai donc bien les joues luisantes. Bon. OK. Voilà. Je pense que c'est assez. Bon, je sais, la toune vient de finir. OK. Donc, les lieux sont purifiés et bénis. Voilà. Phew. Bon. That's enough. Alors, me voilà. Alors, ici Hermès, votre hôte, oui. Pour un autre show en direct avec vous, c'est toujours un grand plaisir. Wow! Wow. Ça mérite, whoops, va-t'en, wow, une bonne main d'applaudissements. OK, c'est assez. Moi, je suis humble. Alors oui, ce show-là m'a demandé quand même beaucoup de préparation, beaucoup de recherche. Alors oui, le yob, il se débat dans l'eau bénite, c'est sûr. Excusez, oui, c'est l'après-souper. Hey, c'est fatigant, j'ai les joues luisantes, comme Madonna. Oui. Oh, pauvre elle. Donc, je me pose des questions, je me dis, quand... Ça, c'est la grosse question que je me pose pour le show, pendant que j'étais avec vous autres. Quand on a vendu son âme au diable, il n'y a pas moyen, je pense, il n'y a aucun moyen de se faire pardonner ou de se retirer. Je pense, on est fait une fois qu'on a accepté. Moi, c'est ce que je pense. Parce que Satan... Lui, quand tu signes un contrat avec lui, tu lui appartiens. Et c'est pour toujours. Donc, il prend possession de toi. T'es sa possession et t'es possédé aussi. Et c'est sûr que lui, ben, il t'attire aussi, hein, tu sais, il t'attire avec... Ben là, tu vas avoir une belle vie de jet set. Tu vas avoir... des limousines, des châteaux, des grosses maisons, des bijoux. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Puis tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les pires
Toutes les pires bassesses, tout est permis. Mais quand c'est fini ton contrat, tu me reviens. Alors, c'est ainsi. Yips. Alors moi, heureusement, par la grâce de Dieu, la grâce divine, oui, ce show-là est protégé par la grâce divine, par Dieu, par la source divine, et moi aussi, parce que j'ai... C'est sûr, dans ma prime jeunesse, je fus approché par des gens très diaboliques, des gens très malsains dans le monde des artistes, et je n'ai pas cédé à la tentation parce que je le savais. Je le savais que c'était ça. Je voulais pas. Bon, ça, c'est la boucane, c'est la sauge, c'est quelque sauge, cette sauge. Mais en tout cas, au moins, mon show est béni. Fait que je vais aller me chercher de l'eau parce que là, je m'étouffe, je me suis étouffé. C'est la sauge qui fait ça. Qu'est-ce que Vadé Rétro à Satania? Ouais, arrière Satan, c'est recul. Donc, Vadé Rétro Satania, qui peut se traduire par arrière Satan, recule Satan, retire-toi Satan, va-t'en, va-t'en Satan. Alors, ce sont les premiers mots d'une formule catholique utilisée lors d'exorcismes. Ah bon, ben c'est le sujet du jour aussi. la sauge là, tabarnouche. Ouais, je suis allé un petit peu fort. OK. Alors, elle apparaît la première fois au Moyen-Âge dans un ouvrage découvert à l'abbaye de Metten en Bavière. Bon, je ne vais pas tout vous lire ça. Vous avez rien qu'à y aller sur Internet. Vous autres aussi, vous êtes devant Internet en ce moment. Fait que faites vos recherches. Alors oui, la tentation du Christ est un épisode de la vie de Jésus de Nazareth qui relate son séjour au désert et sa tentation par Satan. Alors, c'est une peinture d'Ivan Kamskouy. Kamskouy? Ouais, oh, il a l'air découragé, hein? Pauvre Jésus. Non, moi, Jésus, regardez, je vais vous revenir là-dessus. Tu sais, parce que bon, c'est sûr que, tu sais, jamais je vais le blasphémer ou... C'est un allié, Jésus. Moi, je le vois comme ça. Il était là pour donner l'exemple. Il nous a montré le chemin. Il était juste là pour ça. C'est un messager comme moi, je le suis. On est tous égaux à lui. Il est pas. C'est pas lui qui va nous sauver. Je pense que lui-même, ce qu'il veut, c'est qu'on se sauve nous-mêmes, comme lui, il l'a fait. Il s'est sauvé lui-même aussi. Alors, c'est seulement de suivre l'exemple. Il a fait du bien, il n'a pas fait de mal à personne, au contraire. Alors, c'est pour ça que moi, je ne vais jamais parler en mal, parce qu'il a combattu le mal, lui aussi. C'est ce qu'on fait, nous aussi. C'est ce que moi, je fais aussi, depuis le temps que je fais des vidéos, que ce soit préenregistré ou en direct.